Je suis fatigué, je ferme plus. Ok, test de son. Ok, test de son. Ça a l'air pas mal. Ok, aujourd'hui, on attaque une nouvelle boîte qui est un peu plus vieille que la précédente. Plus vieille. Plus jeune, pardon, sorti après. La Mindstorm NXT 2.0. Alors, elle est sortie en 2009, celle-là. C'est l'évolution de la. C'est l'évolution de la brique logicielle qu'on avait. C'est l'évolution de la brique logicielle qu'on avait. Donc, on a une nouvelle brique logicielle sur laquelle on va pouvoir brancher et des servos moteurs qui vont pouvoir eux faire des actions et des capteurs. Donc il y a des capteurs de couleurs, de photosensibles et qui fait aussi lampe. On a deux capteurs tactiles, on a un capteur d'ultrason, on a un trieur de couleurs, donc ça c'est le capteur de couleurs et tout ça. Donc voilà, on a trois petits capteurs et trois petits servomoteurs qui vont permettre de faire des trucs. Donc la différence de l'évolution entre cette brique-là et la brique précédente. Alors il y a eu une autre brique, hein, parce que hop, celle qu'on a, la brique précédente qu'on a vue, c'était vraiment la brique de base. Il y avait une brique qui était un peu plus évoluée, qu'on pouvait programmer, mais elle comprenait aussi le moteur directement, je crois. Comme celle-là. D'accord. La différence, c'est qu'on a juste une brique qui est un petit ordinateur. Et après, on a des moteurs qu'on va pouvoir mettre où est-ce qu'on veut. D'accord. Qu'on va pouvoir relier. Voilà, c'est la brique qui va dire, voilà, ce moteur va dans tel sens, ce moteur va dans tel sens. Mais la brique en elle-même n'est qu'une brique intelligente. D'accord. Donc voilà, nouvelle donc évolution de la première brique. Donc 2009. Sachant qu'il y a quelques mois, ou peut-être un an ou 2 ans, ils ont sorti la troisième brique qu'on verra sur la prochaine boîte. Quand on aura fini celle-là. Donc, hop, on unbox. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Alors, on trouve les logiciels de notre partenaire SWCAM. Donc, SWCAD, c'est une entreprise qui fait des bibliothèques de pièces en 3D pour l'éducation notamment, mais qui peut aussi servir dans l'industrie, et qui ont fait une chier de bibliothèques. Lego aussi, avec pas mal de pièces Lego et notamment les pièces de Mindstorm. Donc c'est eux qui nous prêtent cette boîte, comme la précédente et comme la prochaine. Donc on les remercie pour le prêt de cette boîte. Ensuite on trouve des autocollants, ça c'est pour plus tard. Ça c'est des instructions basiques, on va dire, voilà, sur la brique. Hop. Ça, on verra plus tard. Ça, c'est une présentation du truc. On n'a pas besoin. On a un manuel. Un manuel. Avec visiblement pas mal de trucs.
Pardon, ça sert à la connexion, à propos d'une XT, menu principal, capteur de couleur, capteur tactile. L'image est terminée. L'installation du logiciel. Ouais. Mais on n'a pas de truc concernant. On a un premier petit robot. Ultrason, visible XT. Qui est programmation et tout ça. Bloc de test, mais en termes de construction, on n'a que ce petit robot-là. En papier. Après, on verra peut-être dans le logiciel, il y a d'autres instructions de montage pour faire justement ce qu'ils disent sur la boîte, c'est-à-dire un robot lanceur, un robot gator et un trieur de couleurs. Et puis lui, Et puis lui, par exemple. quand même. J'ai pas l'impression qu'il y ait la pièce pour faire la tête. Ne sais pas. On a un testpad, donc une piste de test. Pour ceux qui ont déjà fait un peu de robotique, savent de quoi on parle. Donc c'est une impression en couleur très contrastée, de façon à ce que les capteurs puissent repérer des choses, en fait. Donc on va pouvoir éventuellement poser cette piste sur la table, mettre le robot dessus. Et lui dire, mais tu fais un tour de la piste noire, tu t'arrêtes au jaune, puis après tu vas au vert, puis après tu vas chercher ça, etc. etc. Ok. Voilà, c'est pour pouvoir faire des tests assez simplement. Et donc les autocollants. Et ensuite les pièces. Donc, et ensuite les pièces. Donc, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a ça. Pour la liaison PC. On a des roues et pas mal de trucs. On a là les petits capteurs ici, on a ça tiens, pour Ah faire la bah tête. oui, pour faire la tête. On a ça qui sont des petits capteurs qui sont reliés en RJ12 ou RJ11, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, bon, ça c'est les pièces classiques. Ça c'est les pièces classiques. On a les servomoteurs. Qui D'accord. sont des petits moteurs commandés pareil en RJ12 ou RJ11. Il y en a un tout seul. Il y en a un qui ne rentrait pas dans la boîte. On a des câbles donc RJ12 ou RJ11 pour pouvoir faire les connexions. La même chose là. On a des chenilles. On a cette grosse Brique. Donc le fameux brique. mini ordinateur. Le fameux mini ordinateur qu'on veut brancher en USB donc. Qu'on pourra D'accord. programmer plus tard. Et donc là, il y a Trois moteurs, quatre capteurs. D'accord, ok. T'as pas mis une boîtier de piles? Il est en train de sécher parce que je l'ai nettoyé D'accord. un peu. Là, on a deux petites pièces. Et plein d'autres petites pièces qu'on tirera après. Alors, je vais redire quelque chose que tout le monde sait, mais que visiblement on ne dit pas suffisamment souvent. Ne stockez pas vos appareils électriques pour de longues périodes avec des piles. Voilà. Quand vous savez que vous allez ranger et que vous n'allez pas y toucher pendant 12 ans, vous retirez toutes les piles. Comme ça, déjà, vous récupérez des piles pour en faire ce que vous voulez, dans la télécommande par exemple. Mais surtout, vous n'abîmez pas vos appareils électroniques. Parce que la petite surprise, ça a été d'ouvrir la boîte, d'ouvrir ça et de se rendre compte qu'il restait deux piles qui avaient complètement coulé et qui avaient complètement oxydé ces parties-là. Donc un peu de nettoyage en contact, j'ai frotté un peu, ça a l'air de repartir. Mais ne stockez pas. On a aussi une batterie qui, je pense, a été rachetée par la suite pour remplacer donc les piles, ce qui est une bonne alternative à mon avis.
Le problème, c'est que le chargeur que j'ai avec n'est pas le bon. Du coup, je vais pas risquer de le charger avec un chargeur à moi pour pas niquer la batterie. Voilà en ce qui concerne la boîte. Ben, on va commencer à trier les pièces. On Je va vais te pouvoir laisser. ranger. On va pouvoir ranger petit à petit. Je vais te laisser commencer. Alors, je pense qu'on va avoir besoin de beaucoup plus de grands bocaux. Hein, pour le coup. Mais je pense qu'il y a surtout plein de pièces qu'on va pouvoir laisser dans un coin sans bocaux. Genre ça, tu vois, genre tous les câbles. On va pouvoir les laisser de côté en mode. De toute façon, on sait qu'on n'en aura pas besoin tout de suite. Les câbles, les courroies, voilà. Comme ça, on sait que ça, on n'y touche pas. Ce qui est bien, c'est que ces bocaux font toujours autant de bruit. Je pense que les petites billes, je vais ranger à ma façon et Maxo va arriver après. Et puis il va me dire non, c'est pas bien comme t'as fait, on va faire autrement. Comme d'hab. Mais c'est pas grave. Au moins je l'aurais fait. Là, il y en avait une. Ça, je pense que c'est pareil. Ça va aller dans un autre. Là. Attends, qu'est-ce qu'on a? Des roues. Des pièces. Ah, cette pièce-là, elle a l'air d'être seule. Non, elle n'est pas seule. Voilà. Les petits noirs, déjà, on sait déjà où ils vont. Les petits noirs, on sait déjà où ils vont. Ah, il y a plein de pièces qu'on avait déjà vues. Parce que voilà. Il y a aussi plein de pièces, quelques pièces, genre ces deux pièces-là qu'on n'avait jamais vues. Avec les petites boules. Alors, je ne sais pas si c'est parce que. Je sais pas à quoi elles peuvent servir. On verra bien. On va mettre ça avec. Je présume que celle avec les petites boules, on va les mettre ensemble aussi. Voilà. On va faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les petits L. Ouais. Les petits L ensemble. Ça va être bien. On va prendre un bocal pour ça. Ça, on
présume qu'il faudra peut-être un bocal pour ça aussi. Il y a du bleu, il y a pas mal de bleu. Il y a un peu quelques rouges. Je pense que ça, un bocal, ce sera pas trop pour lui. Voilà. Et peut-être pour eux aussi. Voilà. Du coup, hop et hop. Ça, on verra après. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Zut, ça commence. Très bien. Donc là, ah, on avait une barre. Voilà, on a les roues et les jantes. Et encore une roue. On a quatre roues, quatre jantes. On va mettre là. Très bien, on a ça. Ah, ce sera peut-être là du coup qu'on mettra les petites boules. Des grandes roues, des petites roues, des petites barres, des grandes barres. Très bien, très bien. Avec, ce sera très bien. On va mettre les roues là-dedans. On va mettre ça et peut-être même ça ensemble. Ça ne s'enlève pas. Non. Ok. Ça va très bien tout ça. Je ne sais pas encore, d'habitude je ne sais pas encore dans quoi les mettre. Donc pour l'instant ça finit là. Ça je pense que voilà. Des pièces très spécifiques, hein. Continuer. Continuer quoi? Mon triage. Ouais, je vais t'aider. J'ai même des pièces en caoutchouc. D'accord. Enfin,
Enfin, c'est la première que je croise, hein. Ouais. Du coup, ça, c'est un peu le bocal à... Bon, pour l'instant, on ne sait pas trop où est-ce qu'on est. On verra. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Pour l'instant, c'est le bocal de on ne sait pas trop, on verra après. Y a des pièces qu'on a déjà vues et revues. Tu vois. Et puis, il y a d'autres pièces... d'autres pièces qu'on n'a pas vues du tout. Celle-là, on les a vues sur la Dodge. Ah bon? Je n'ai pas le souvenir. Il y en a très peu. D'accord. Oui, alors encore une fois, hein, Lego, ils essayent d'utiliser au maximum des pièces communes, un peu le modèle, mais effectivement, il y a des boîtes qui ont des pièces relativement spécifiques. Et donc, ça peut être on va dire l'émergence d'une nouvelle pièce. Ouais. Ça aussi, on y en a une sur la Dodge. C'est-à-dire que des fois, pour le besoin d'une boîte, ils ont vraiment besoin d'une pièce spécifique. Et du coup, sur les boîtes d'après, ils vont pouvoir dire, ah bon, mais ça, on a cette pièce-là en plus qu'on va pouvoir réutiliser dans cette boîte-là. Et donc, on va s'ouvrir à Ouais. des nouveaux trucs, quoi. Mais j'ai l'impression que le process chez Lego pour créer une nouvelle pièce, C'est d'abord d'en faire une spécifique qui deviendra... c'est d'abord d'énormes discussions avec les différents bureaux pour dire est-ce qu'on veut vraiment avoir une pièce spécifique, est-ce qu'on peut pas, enfin c'est vraiment, j'ai vraiment l'impression que c'est un process lent et que genre c'est pas à chaque fois que tu crées une nouvelle boîte tu crées une nouvelle pièce. Ouais, c'est vraiment bon. Là, pour le coup, on n'a pas d'autre On n'a pas choix. d'autre choix, on est sûr, on a bien vérifié dans les 2 millions, 2 milliards de pièces qu'on a différentes, on est sûr qu'on peut rien faire d'autre. Bon, ben, si on est sûr qu'on peut rien faire d'autre, alors feu quoi. Oui, là, c'est le bocal à bordel. Qu'on va retrier, mais... Si tu veux le retrier, ceci, je vais commencer à le retrier. Y a des pièces très très bizarres quand même, hein. Beaucoup alors. Petit, moyen, grand. Bon, un petit, un moyen. Pour l'instant. Tiens. J'ai l'impression qu'il y a des pièces qui reviennent un peu. Ah oui, mais t'avais mis des. Ah oui, non, c'est moi, pardon. Ok, ça, on va les mettre ensemble. Ah, t'as mis une boule. Là où il n'y a pas de boule.
plus. Ça, c'est du gris. Est-ce que tu en as un qui est un poil plus petit que ça, normalement? Là. Ouais. Je suis ici. Ouais, parfait. Celui-là. C'est bon. Donc on a mis ça. Alors, je pense, tu dois avoir des trucs comme ça noirs Oui. là-dedans. Donc, sans-moi que les trucs comme ça, parce que tu vois, là on a des simples et là on a des doubles. Je pense qu'on peut se faire un bocal de pièces. Non? Donc j'ai aussi cela moi. Oui, mais non. Juste. Juste ceci. Tu vois, ils ont la même forme. Avec croix Mais et. un seul aussi, ils ont la même forme. Pas vraiment, je pense pas. Une croix. Si vous comparez à celui-là, c'est le même, sauf qu'il y a une croix en plus, quoi. Ok, moi si Tu tu vois? veux. C'est comme Ça, tu là. veux. De bleu hein, clairement avec le nombre de bleus qu'il y a. Moi tu veux que je les mette avec les noirs mais je suis pas sûr hein. On a assez de bocaux pour faire un petit bocal de bleu. Un bocal de double quoi. On s'en fout des couleurs. Ce qu'il faut, c'est que ce soit la même fonction et après on choisit. Aujourd'hui, celui qu'on a envie. De petits bocaux. Oui, bien sûr. Un foie. Bon, il faudra les deux. Deux. J'en ai un moyen, si tu veux. Non, Tu sais, un moyen, moi.
Et ça, c'est pareil, je trouve ça dommage. On avait le même en noir. Pourquoi ils se sont sentis obligés de le faire en rouge? Ça doit servir à un truc pour l'avoir en rouge et tout. Bah ouais, mais vis-à-vis des légumes, on s'en fout un peu que ce soit noir ou rouge, non? C'est pour y avoir une espèce d'harmonie. Ouais. Tiens, pièce bizarre. Ça, c'est pareil, j'ai pas de bocaux pour ça. Prends un petit bocal pour les petites barres. On va Oui, trier oui, les oui. barres. Je mets là. Ça, c'est pareil, pièce bizarre. Du coup, je pense que les barres là aussi, si tu veux les retrier, tu pourras. Parce que j'ai trié par couleur en fait. Qu'est-ce que. Ben, je laisse continuer par contre. On n'a plus de petits bocaux. Yeah. Bon, on va pas réutiliser, t'inquiète. Est-ce que je pense que ça. Après, on peut y mettre avec ça. Les joints dentelés et les doubles crans ensemble. Oui. Moi qui ai fait ça, ouais, je sais. Alors, je ne sais pas si elles sont jaunes parce qu'elles ont terni ou si elles sont jaunes pour une Oui, je raison. pense qu'elles ont. Tu vas savoir, elles sont jaunes et elles sont de l'autre côté. Donc elles n'ont plus le soleil. D'accord, elles ont terni.
va essayer. Il nous reste encore deux bocaux comme ça Ouais. et un bocal comme ça. On va retrouver encore 2-3 trucs. Très bien. Ça, c'est sympa. Ça ne rentre pas. Très bien. Tu veux retrier quoi? Alors, on va retrier ça. Ça. Très bien. Tu veux qu'on trie par taille. Donc celles qui font moins de toutes petites comme ça et les grandes. Ouais. D'accord. Ça, on est bon avec les grandes. Ça, on va pouvoir éventuellement le mettre dans le moyen, ce qui dépasse là. Ouais. Les grandes comme ça. À partir de quand ça passe les grandes? Je ne sais pas, il faut essayer. C'est encore bon. Alors, ici, on peut se mettre là. À partir de là. De là, c'est pas ça. Là, on met donc ça dans le moyen, c'est ça? Ouais. Mais du coup, ça fait vraiment un bocal de rien. Et du coup, là, on met des toutes petites. On met celle-ci, et là, on met celle-ci. C'est ça? Bon, on peut mettre les trois là-dedans, je pense. Ok. Ok. Nous reste éventuellement un truc un Je pense petit. qu'au niveau des barres, on peut trier peut-être parce Ouais, que ça on sinon. va en retrier, c'est sûr. Il nous reste un petit bocal. Est-ce qu'on peut. Moi, je trouve que ce bocal, il sert. Enfin, on peut mettre les barres là-dedans. On s'en fout que ça dépasse. Il y a plein de choses qui dépassent. On va essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de trucs qui dépassent pour qu'on puisse refermer les bocaux. Ok. Est-ce qu'il y a un truc en petit qu'on veut retrier? Ça, Priori, on n'a pas besoin non plus. il y a quoi là-dedans? Après, le problème d'avoir trop de bocaux sur la table, c'est que si on cherche pas les pièces, on cherche les bocaux, quoi. Ouais, mais c'est moins compliqué de chercher les bocaux que de chercher les pièces. Bon, tant pis. Pourquoi ah oui, t'as mis ça avec les. D'accord. Ok. Ok. Et ça, il va falloir qu'on sépare tout en fonction des formes. D'accord. Et détails, et D'accord. après on verra ce qu'on mettra l'un avec l'autre. Ok.
Déjà, on peut faire un bocal de petits trucs comme ça, là, non? On peut faire un bocal de petits trucs comme ça. On peut peut-être éventuellement mettre ça dans un petit Oui. bocal comme ça. Hop. Clairement. Donc ça, c'est les 5. Tu veux pas mettre une étiquette, genre 5, pour qu'on n'ait pas besoin de décompter? Non? C'est-à-dire que ça changera en fonction des boîtes. D'accord, pardon. Ouais. On n'aura pas forcément besoin d'un truc de 5 à chaque fois. Ok. Si on avait beaucoup les limiter, c'est exactement ce que je ferais. Bah, on peut pas l'enlever l'étiquette après? Non, c'est chiant. D'accord. Oui, mais il y a des L croix et des L pas croix. Ouais, mais on va faire les L, on va faire la forme générale. Oui, parce que les L croix, ils Voilà, sont tous orange, juste quoi. une autre couleur. T'as vu, c'est pareil, mais c'est pas presque pas les mêmes. Et bien là, il y a un L croix. C'est le petit piège. On fasse gaffe. C'est pareil, c'est pas le même. Ok. Non, c'est pas fini. Je sais que je peux mettre ça déjà là. Je peux mettre ça là. Et voilà, là c'est fini. Ok, il nous reste combien de bocaux? 1, 2, 3, 4, 5. Ramène les autres, s'il vous plaît. On va mettre. On peut mettre ces deux-là dans un bocal déjà. Ouais. Ça dépasse. Si on peut éviter que ça dépasse sur tous les bocaux, ce sera bien aussi. On peut mettre. Ces deux-là dans un bocal. Non, je suis pas fan. On faire. T'es pas fan parce qu'ils se ressemblent trop? Ouais. Du coup, ça va être chiant à compter. Faire ça et ça. Ouais.
justement dans le même. Je te dis, chérie. Seul? Bah oui. Pour économiser les bocaux. Et du coup, celle-ci et celle-ci, ou celle-ci et celle-ci, comme tu veux, nous restent deux bocaux, donc. Bon, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Bon, mais on va attaquer, hein. Allez, allons-y. Allons-y gaiement. Alors, on va faire leur premier petit robot. Faire leur premier petit robot. Donc, on commence direct avec un cerveau moteur. Ouais. D'accord. Ok. Ok. Ça, hein. Mettre ici. C'est ça? Et ah, c'est comme c'est collé, du coup ça fait que ça bouge pas. Oui. Presque pas. Ok. De toute façon, ça tient pas. Donc c'est pareil, hein. Oui, non, mais c'est pas ça. Pourquoi c'est pas ça? Ah oui, non, pardon. Mille trucs dans le même sens. Plus longtemps. C'est raconté dans le bon sens. Hop là. J'ai pas de barre de neuf. Comment ça fait? Si, on les a mises là. Non, non, une barre. Ah.
Bah, c'est pas normal. T'es sûr que c'est un 9? T'arrives à lire? Bah, Attends, moi moi je je. lis 9. Commence bien, dis donc. Après, c'est pareil, il était pas neuf. Non, il n'était pas neuf. Oui, parce qu'il faut la 107. mettre ici. Mais attends, mais ça suffit largement, chérie. Regarde. Il faut que ça. Faut pas que ça dépasse de chaque côté. Du coup, c'est bizarre. Là, il demande à ce que ça dépasse pas. Et déjà, là, elle est beaucoup trop longue. Parce que c'est pas la bonne barre. Ah, ça, c'est une barre de combien? De 12. Ah, Je cherche pardon. une barre de 9 depuis tout à l'heure. D'accord, pardon. Rien n'est tombé. Voilà. Ah bon? Dans les sachets, on n'a rien oublié. Non. De barre de neuf. Hein. Et si on prend ça à la place, ça va pas dépasser là, mais c'est pas grave. Si on fait ça comme ça, hop, ça passe là, non? C'est faisable.
vise dans ma lumière là. Paire de 9, on est censé en avoir 2. Donc, quand bien même il y en a une qui serait tombée, il n'y en a pas deux qui sont tombées comme par hasard. Et on est censé avoir deux autres barres que j'arrive pas, que j'ai pas vu passer d'ailleurs, en parlant de ça. Et si et ça, ça passe pas? Mais après, on va en avoir besoin, quoi. Oui, ça m'en aura besoin. Ça, c'est une barre de 10. Mais après, elle est censée être grise. Non? 10 aussi. 10 aussi. Si t'en trouves une seconde, puisque on est censé en avoir une seconde dans le. Ah ouais, ça m'en aura besoin. Ok. Ouais, moi, je... Très bien. Un peu le désavantage d'avoir des boîtes d'occasion. Du coup. Ouais. Hop là. Ok. Ensuite, on recommence sur les autres. Tu vois, du coup, il nous refaut. Falloir une barre de ça, hein. 12 fois. Quoi, 12 fois? Je lis bien 12 fois parce qu'il faut deux trucs comme ça. Oui, il faut 12 trucs noirs. Oui, voilà. Est-ce que j'ai compris? Tac et tac. Ok. Ah oui, d'accord. Là ici. Et là ici. Et tiens, t'as ton bleu là. À toi. Et du coup, on met ça là. Salut. Salut. On met ça là. Et on met l'autre de l'autre côté. Ah non, attends. Hop, je me suis trompée. Hop, voilà. On met, hop, ça là. Jusqu'à clipser. Ah. C'est bien ce qu'ils disent, hein, avec la petite flèche rouge. Oui. Ok. Et donc, pareil, toi, de ton côté. Et ça là. Jusqu'à clipser ici. Et là, donc, nous avons nos trois. Ah, tu as fait des bêtises.
Est-ce qu'il fallait que je le mette là? Je l'avais mis à l'envers, le bleu. T'as vu, je suis obligée de te reprendre. Hop là, voilà. Donc là, nous avons nos trois cerveaux moteurs. Oui. Très bien. On n'a pas beaucoup avancé en vrai, hein. On a mis trois petites pièces. C'est pas. C'est que la huitième étape, quoi. Et ça. Ici, je présume. Tac, avec ça. Très bien. Avec du coup le bleu là. Avec un noir ici. Avec un noir. Ici. On peut pas la rentrer plus de toute façon. Hop là. Voilà. Je sais même pas ce que c'est qu'un cerveau moteur. C'est un cerveau qui a un moteur? Un moteur asservi. Un moteur asservi. Ça veut dire. Un moteur qui est commandé par une autre pièce. D'accord. Qui ne peut pas fonctionner de lui-même. C'est ça? Il fonctionne de lui-même, mais disons que il est commandé par quelque chose quoi. D'accord. C'est pas l'utilisateur qui le commande directement, c'est une autre pièce qui le commande. D'accord. Ok. Alors. Ça, c'est pour éviter que ça bouge du coup. Hop là. Neuf. Il y a un cerveau et un moteur, exactement. Il y a la brique qui va. En fait, c'est la brique, le cerveau. Et c'est elle qui va commander au moteur. C'est ça? Un cerveau moteur, c'est un moteur qui est asservi.
Oui, mais. Ça ne s'écrit pas cerveau comme cerveau, ça s'écrit Oui. SERVO comme service. Ce qu'on appelle un cerveau, c'est quelque chose d'intelligent. Ça a été défini par programmable, mais c'est surtout quelque chose qui va apprendre à un moment donné. Donc là, on ne parle pas de cerveau, on parle de quelque chose qui a servi ou pas. Merci Wikipédia. Très bien. Là, ça commence à être un peu complexe, je trouve. Une qu'on met comme ça. Il y en a une qu'on met comme ça. On les met. Tac. On les met dans l'autre sens du coup. Ok. De là, ok. Comme ça. Dans laquelle on va venir mettre ça et du coup ça. C'est ça, hein? Oui. Donc celle qu'on met comme ça, on vient les mettre ici. Ça va être chiant à enlever ça. Comment on fait? C'est là qu'un extracteur de pièces pourrait être utile. Ok, merci. Donc, Premier, tu l'as pas mis au bon sens. Le premier, tu l'as pas mis au bon sens. oui, parce que comme il est tombé, l'ai remis au mauvais endroit. Balade un peu. Voilà, pour éviter que ça se balade. Voilà, là ça se balade plus. Et du coup, ça. Très bien. Pour éviter, pour être sûr que ça se balade plus. Ah, c'est là qu'on met les jantes avec les courroies sans les pneus. Avec les chenilles. C'est des chenilles.
Il y a un sens, oui, il y a totalement un sens. Totalement un sens. On met les jantes à l'intérieur. Oh là là. Là, par contre, tu vois, ça n'enroule pas du tout, quoi. Ça ne tombe pas du tout. Parce que justement. Pourquoi? On peut même pas les faire tourner un peu. On peut voir là que on a un servomoteur qui est dédié à faire à entraîner une seule roue. D'accord. Que celle-là, elle est juste en roue libre, hein, qu'il n'y a pas d'entraînement à ce niveau-là. C'est des petits moteurs qui ont plus de couple que le moteur précédent. Donc du coup, ils sont un peu plus durs à faire tourner, parce qu'ils sont un peu mieux arrêtés. D'accord. C'est ça. Yes. Il me faudra un deuxième noir, s'il te plaît. Qu'on va venir mettre. Ça ressemble, oui. J'arrive pas à voir où est-ce qu'on le met, hein. Mais oui, je pense que ça ressemble, c'est le seul endroit où on peut clipser. Donc bon, j'en conclus que.
Alors, c'est là qu'on pose la boîte. Ah oui, il faut que tu ailles chercher le... Ah oui, c'est bien oxydé, hein? C'est là qu'on pose la boîte. On pose la boîte ici. C'est ça? Ça sert. Ouais, quand on a ouvert le boîtier, il restait deux piles. Deux piles, et donc de l'oxydation de tous les côtés qui avaient coulé. Donc du coup, j'ai nettoyé le boîtier, j'ai mis du nettoyant contact. Et le boîtier a redémarré. Alors, il a redémarré. Du coup, là, on est obligé de... tais-toi. Ah bah oui, rien n'est branché. Ah, rien encore. Ben non. Bah oui, pardon. Autant pour moi. Très bien. Rien n'est branché à rien, ça ne sert à rien d'essayer. Et ça, c'est quoi? C'est juste un cache pour faire joli? Je pense. Très bien. C'est là qu'on sort les... Les petits câbles. Le rouge au milieu. Le rouge. On ne peut pas choisir dans quel... On ne peut pas mettre à gauche, au milieu et à droite. Il faut que celui de droite... Le A soit au milieu. Ah oui, c'est le A qui va tirer B et C. C'est-à-dire que lui, il connaît les sorties, en fait. Son programme de base, il connaît les sorties. Il connaît la sortie 1, 2, 3, et si tu lui inverses les sorties, du coup, il ne saura plus du tout où aller. D'accord, ok. Donc A va au moteur principal là. Voilà. B, qui est le vert. Bah, sur la roue de gauche. Ici. Et c'est bah, sur la roue de droite. Ça fait beaucoup de fil par contre, hein? Ouh là là. Ok. Donc, on a fini avec ce premier truc. Donc c'est là qu'on peut tester le moteur. Ça fait Okay. beaucoup trop de bruit. On peut pas. Setting, volume. Ouais, voilà, c'est bien ça, volume à 1. Try me.
Please use port. Attends. Je ne peux pas le détendre. Non, mais on a baissé le son, c'est bien baisser le son aussi. Je pense qu'on va pas tarder à le mettre en muet non plus. Ça y est, il est muet. Il m'a déjà saoulé. Alors, que dit la notice? Ah oui, non, il n'est pas muet. Ah. Ah, c'est là le truc. Oui, d'accord. One, c'est le touch. Le light, c'est le 3. Color, c'est le 3 aussi. Ultrasonic. Aïe. D'où le son? D'où il sort le son? Listen sound, ils disent. Écoute le son. Mais je vois pas pourquoi. Au port NXT. Port USB, jauge, transmission non. Exécution, haut-parleur sur la droite. Port NXT, mise en tension, port des capteurs, USB. Principal, secteur. C'était moins. Connecter les capteurs et les moteurs au port approprié du NXT. Important d'utiliser les paramètres par défaut des ports. Sectionner un programme. Produire d'autres sons amusants. Oui, mais non. Ça y est, view. J'essaye quoi? View. Et c'est quoi? Je sais pas, je vois rien. Rotation pour A
Parce que le A, il est branché à rien. Bah, il est branché au truc A. Oui, non, mais concrètement, lui, il fait rien tourner. Moteur de grille. Ouais, en fait, U, c'est juste voir les paramètres. Ouais. Juste voir si on fait tourner la main. Bon, on va essayer de faire marcher ça. C'était le programme. On va essayer un forward. Un petit. Parce qu'en fait, tu peux faire rien. Tu peux. En fait, le servo moteur, comme il a sa barre ici, lui, en tournant, il fait tourner ça. Non. Non? Lui, il Pas ne du sert tout. à rien. Mais pourquoi il est branché alors? Je ne peux pas, mais lui, il ne sert à rien. On a mal branché peut-être? Bah non, pas du tout. Lui, il ne sert à rien. D'accord. Ah, mais regarde, le A il va à droite, il va pas au milieu. C'est toi qui Bah a. Ah écoute, non. tu vois, le PDF que tu as, il est pas bon. Ouais, c'est pas le même. Bizarre d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, bizarre. Très bizarre. Mais c'est peut-être pour ça qu'il bug alors, parce que du coup, Peut-être. Si on regarde, si on peut voir. t'as beaucoup trop de luminosité, c'est pour ça. On a le rouge qui va à droite, le bleu qui va à gauche et le vert qui va au milieu sur la Et revue. lui, il nous dit bien. Alors c'est bizarre parce qu'il nous dit bien port B et C moteur pour le mouvement et port A moteur utilisé pour une fonction supplémentaire. Ouais. Donc c'est ça, le A c'est la fonction supplémentaire du milieu et B et C c'est pour le mouvement, c'est logique. Ouais, mais écoute, on va faire dans la couleur qu'il nous dit là, ici, hein, dans la revue, plutôt que. Alors, le A à droite, c'est ça? Oui. Alors, tac et tac. Le B, le bleu au milieu. Oui. Le C à gauche. Mais là, ça me paraît déjà plus logique, tu vois, pour le coup. Oui, mais ça ne va pas avec ce que dit la documentation technique en fait. Là, je suis sûre que si on fait Ça ne change rien parce que ce soit un moteur ou l'autre qui soit branché, le test ne change pas en fait. t'as vu mis quoi? Donc je disais NXT programme, tu vois, regarde, B et C, left and right moteur. Oui, Donc c'est ça. Donc, non, c'est pas ça. ben si. B et C, left and right moteur. Et ben le B, ah ben non, le B du coup il est au middle. Et pourquoi il n'y a pas les bonnes couleurs alors? Je ne sais pas, ils se sont trompés. Il n'y a qu'une occurrence où ils parlent du B et du C en tant que.
Tu vas me faire croire qu'ils sont trompés dans la revue officielle, carrément? Ah oui, c'est le PDF officiel. Oui, mais ils sont trompés de couleur à un moment donné. Mais qui? Je pense que là, ils se sont trompés parce que ici, ils nous expliquent que le port A, c'est le moteur auxiliaire. Ici, ils nous expliquent que le moteur A, c'est le moteur auxiliaire, et etc. D'accord, bah rechange, hein. Voilà. C'est bon. Donc, ensuite, tu peux faire un petit programme en 5 étapes. D'accord. Donc, on va lui dire, tu avances pendant 5 secondes, Ok. tu attends pendant 2, tu recules pendant 5 secondes, Parce que pour l'instant, il n'y a rien d'autre. tu attends pendant 2 et tu loupes. D'accord. Soit tu t'arrêtes, soit tu recommences. Tu attends. Tu recules. Tu attends. Je refais la Et même tu loupes. chose. Ouf, je suis au niveau de la table, il est light, hein. On a la bonne notice. Mais apparemment, sur le magazine papier, ils se sont trompés dans les couleurs. Et c'est la bonne notice, hein. Donc, on va modifier un petit peu. D'accord. On va faire en avant jusqu'à ce que Tu trouves quelque tu chose. trouves un objet Mais oui, mais on n'a pas le détecteur touch. de. C'est lui le détecteur? Faut le mettre sur quel port? 4. C'est ça, hein? Non? C'est le 1, 1 ou 2. D'accord. On y voit où les ports? Capteur Renforcer, tactile. relâcher, heurter. Capteur tactile, d'accord. Capteur tactile, c'est pas marqué. Tu avances jusque toucher et et après tu recules jusque toucher, ça va être toucher 2. On va dire tu recules pendant 5 non, je peux pas faire ça. Tu recules de 5 secondes. Petit et stop. Donc là, il avance, peut-être qu'il touche, là il recule pendant 5 et il s'arrête. D'accord. Voilà. On est sur la base, on est vraiment sur la base de la programmation. C'est-à-dire que ce petit système-là, ce petit système avec les petites boîtes au-dessus là, ici là, tac, 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 où chaque boîte correspond à une action, c'est une version très
très simplifié de ce qu'on appelle la programmation en graph 7, qui va permettre donc de dire chaque boîte est un moment du programme, et à chaque fois qu'on arrive sur une boîte, on fait une action. Continue, continue, parle. Bah, je ne sais pas ce que tu fais. Mais j'essaye un truc. Je peux créer? Crée, crée, crée. Non mais oh, continue, parle. Donc, alors on ne va pas rentrer dans le vif de la programmation Graph7, mais en gros, voilà. En gros, comment ça marche? On a donc ces petites boîtes-là. À chaque petite boîte, on va faire une action. Et soit on va faire une action temporisée, donc avance pendant 5 secondes, avance pendant 10, attends pendant 5 secondes, attends pendant 2 secondes, recule, machin. Et on va aussi avoir des entrées d'action, donc par les capteurs, qui va être de toucher, de ressentir, de voir une couleur, de machin. Donc on va pouvoir faire des petits programmes en lui disant avance jusqu'à ce que le capteur te donne une indication. Avance pendant tant de secondes ou avance tout court, et au bout d'un moment, je te dis de t'arrêter de faire ça. On est vraiment sur le départ de la programmation, quoi. Je fais vraiment ça à la one again parce que je ne sais pas du tout quelle pièce il faut utiliser. Est-ce que tu comprends le principe un peu de ce que tu fais ou pas? Lui. Lui, il a un arrêtoir. Donc tu ne pourras le mettre que comme ça. Soit tu mets deux pièces là que tu vas pouvoir mettre là, mais tu ne pourras pas le mettre comme ça de manière simple, en tout cas pas dans cette disposition-là. Ce que tu peux faire, c'est un comme ça, un comme ça, qui vient là, et l'autre, ça qui vient là, si tu veux éventuellement le solidifier. Les fils, c'est pas large, hein. On a dit oui, si le vin. Donc là, par exemple, si tu fais. Fais ça. Ouais. C'est tout. Tout Et ça pour l'intérêt, ça. c'est que là, tu vois, je lui dis avance pendant jusqu'à ce que ça. Donc, si je mets la boîte là, il va reculer tout de suite. Si je la mets là, il va reculer que au moment où il va. Et je lui dis, par contre, recule pendant 5. Si on peut le changer, comment on fait? Tu fasses main menu. Et là, on dit OK. Ok, donc tu avances jusqu'à ce que. Tu touches. Et du coup, turn jusqu'à ce que. Voilà.
Alors, il Dans ce faudrait qu'on cas-là, vide. si tu mets le deuxième touch, il va attendre le deuxième lui. Ah bon? Ouais, Il peut pas toucher. Mais il va falloir qu'on vide la table, du coup. Il faudrait qu'on vide la table. je pense que pour lui, un sens est égal à un capteur. Donc là, il roule. D'accord? Jusqu'à ce qu'il touche. Là. Là, il attend de toucher, d'accord? Ouais. Là, il a tourné et il attend de toucher. Bizarre. Et là, il reboucle. Mais pourquoi ça se... Ah, mais il n'y a plus... Et là, quand tu touches, il tourne. Il s'arrête quand il... Il s'arrête quand il a fini de tourner. Bah C'est ouais. quoi, c'est un turn 5, c'est un turn Non, 3? c'est un terme, c'est faux. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Non. C'est un terme, mais il attend de retoucher. Pour avancer. Allez. C'est un avance jusqu'à ce que tu touches, et après, c'est un. Turn right. Parce que sa fonction turn doit être programmée pour faire juste un petit peu. Et tu vois, le attend, il ne le fait pas, hein. Le attend, il ne le fait pas, du coup. Mais alors, bienvenue dans la programmation où les choses ne font jamais vraiment ce que tu veux parce qu'en fait, ils sont toujours définis par des trucs un peu particuliers. Il faut que tu regardes l'évolution du graph set en fonction de... En gros, alors les profs te diront que jamais il faut faire ça et que blablabla. La plupart des mecs qui font de l'automatisme que je connais, ils font à leur idée, ils testent de manière plus ou moins virtuelle. Il s'arrête pas pour autant. Pardon, vas-y, je t'écoute, hein. testent de manière plus ou moins virtuelle et après ils corrigent en fonction de ce qu'ils veulent faire, quoi. C'est là où tu te rends compte que ta façon de penser n'est pas du tout la façon de penser d'une machine. Il est censé attendre. Mais comme je lui ai pas dit de s'arrêter. Oui. Donc il continue de rouler. Alors, c'est là où on voit que c'est une brique quand même qui a un petit peu d'évolution, c'est-à-dire qu'elle peut faire plusieurs actions en même temps sur un automate basique, très basique, et surtout dans ces années-là. Tu fais une action et à partir du moment où tu passes à l'action d'après, bah, tu arrêtes la première action parce qu'il n'y a pas assez de mémoire pour tout gérer. Et c'est assez intéressant de voir que cette brique-là, elle a quand même de quoi faire tourner plusieurs actions en même temps. Bah, je lui demande d'avancer jusqu'à ce qu'il touche et de faire une sonnerie et d'attendre. Et là, il boucle. D'accord? T'attends 10 secondes. Ok? Et tu boucles. Donc là, normalement, le attendre, il est censé s'arrêter. Je pense pas. Stop. Ça. Là, il va en attendre. Il va attendre de quoi? Il va en attendre de quelque chose avant de passer à l'étape finale. Tu lui dis, avance. Il avance. Il touche. Il attend qu'on touche là. D'accord.
Une fois que tu touches, tu passes sur le son et il passe en attente avant la fin du programme. Ah, il n'y a pas de. Du coup, on peut pas lui demander de s'arrêter. Je ne sais pas. Ben, j'aurais bien attends, aimé. Non. Et après, il s'arrête. Alors, là. Tac. On peut pas lui demander de s'arrêter. Stop. Voilà, on va faire ça. Tu peux faire des trucs un petit. Là, tu fais touch. Tu peux faire okay. Touch. Et le empty, ça veut dire ne fait rien. Ouais. Mais ouais, visiblement, dans ces programmes-là, tu peux le faire avancer ou reculer, mais tu peux pas faire s'arrêter le moteur. Peut-être que sur l'ordi, on peut faire des programmes un peu plus compliqués, notamment de l'ordi. 4%. Pourquoi 4%? 3, 4, 3, 4, 4% de 3, quoi? 4, je sais pas. Le sound, dB, d'accord. Ok. Port 1. Voilà. 3. Donc là, il considère que ce que tu lui as mis, c'est un capteur de son. Parce que tu l'as dit, j'ai été mis un capteur de son, donc Ouais. écoute. Donc il va prendre le signal que le capteur lui renvoie. Donc le capteur lui renvoie toujours un petit peu de signal, donc 3%, parce que c'est la résiduelle électrique. Voilà. Si tu mets touch, par exemple, sur le point 1, t'as mis quoi? Température. Prends pas la température? Non, parce qu'une sonde de température, c'est un peu plus compliqué que ça, que juste un. Donc si je lui mets. T'avais commencé une phrase. Oui, c'est plus. 100, 0, 100, 0. Oui, il est touché. Non, il n'est pas touché. Les D'accord. capteurs de présence, c'est souvent ça. C'est souvent du tout ou rien, comme on dit. Ultrasonique, c'est détecteur de mouvement, non? Ça peut, oui. C'est creepy un peu. On dirait un Playmobil qui est enfermé dans une brique Lego. Va falloir de la musique. Je crois que tu voulais lui faire taire. Oui, aussi. Très bien. Pas ce que c'est que tout ça. C'est des programmes qui sont déjà installés dans le truc. D'accord. Et on peut pas les. Pardon, vas-y. Ok. Back time. Alors, c'est marrant parce que
Sur les boîtes impaires, tu vas pouvoir faire des actions, c'est-à-dire tourner, avancer, reculer, machin. Et sur les boîtes paires, tu vas pouvoir avoir des entrées. Enfin, mais c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Donc tu vas pouvoir forward. Là, tu as les entrées d'attente, entrées d'objets, de son, de lumière, de touch. Tu vois, ça tournera deux, c'est pour tourner à droite un peu plus longtemps. Là, hop, une entrée. Attends. Et on va boucler. Comme ça, il va que tourner à droite. Il attend que tu le touches. Là, tu avances. Tu touches, il tourne à droite, il avance. Tu touches, il tourne à droite, il avance. Tu touches, il tourne à droite, il avance. Donc tu vois l'évolution du programme. Tiens, il tourne à droite, il bouge. Alors, du coup, c'est ouais, c'est vraiment basique hein, comme truc, surtout à 5 étapes, alors qui sont pas vraiment des étapes, hein. Du coup, il y a deux étapes où il actionne, deux étapes où il reçoit, et une étape de fin pour boucler ou pas. Donc, en gros, on peut pas faire grand-chose là-dessus, mais c'est quand même en termes de programmation, on est vraiment sur un truc. Vas-y pour comprendre un peu comment marche la programmation d'automate. Ouais. On va pas tenter trop les capteurs aujourd'hui. On a déjà vu le capteur touch. On a vu le touch et les autres, on verra un peu plus tard. On verra en faisant d'autres trucs. Ce qu'on va faire pour la prochaine fois, c'est qu'on va essayer de le connecter à l'ordinateur en off. Essayer de regarder un peu ce qu'il y a dans le programme, si jamais il y a d'autres constructions pour pouvoir faire voilà, le petit robot, pour pouvoir faire le trigger de couleur. Trigger de couleur, il m'amuse un peu. Oui, moi aussi. Donc on va Le voir un robot peu. lanceur, Ou le robot lanceur. c'est celui qui jette les boules de couleur. Ouais. Mais par contre, Ça en fout de partout, donc ça va on... être chiant. On va d'abord essayer de faire le robot trigger, je pense. D'accord. Pour voir un peu plus voilà le capteur de couleur et la partie mécanique du tri aussi qui peut être intéressante qui va être donc sur plusieurs trucs. Donc ouais, pour la prochaine fois on va essayer de connecter ce truc à l'ordi, de regarder d'explorer un peu le programme, de voir un peu quelles sont les possibilités et on essaiera de construire donc une nouvelle petite machine. Voilà. Est-ce que tu as des questions? Non. Qu'est-ce que tu en penses de ça comparé à la boîte précédente? Bah, c'est beaucoup plus évolué, quoi. C'est beaucoup plus évolué, c'est pas juste un avance-recul. Sur la première boîte, il y avait vraiment que un avance-recul. Donc, je pense qu'il y a moyen qu'on s'amuse un peu plus après à voir ce qu'on peut faire avec ça quoi. À voir quelles sont les possibilités de programmation, de... Mais bon, c'est pareil, tout ce qui va être programmer la boîte sur l'ordinateur, je pense que ça c'est clairement le genre de truc qui je pense va pas m'intéresser et du coup c'est Pourquoi ça dommage. t'intéresserait pas? Parce que moi j'ai envie de m'amuser avec le truc, j'ai pas envie de me prendre la tête sur la programmation. Je sais pas, on va voir. Je Bah, sais pas, on va c'est ça voir. qui est amusant en fait. Pour toi. Mais le Mais but. c'est toujours pareil, c'est le même. Voilà, c'est le but du Mindstorm. Le but du Mindstorm, c'est de programmer des petits robots qui font des trucs. J'en conviens totalement. Je sais pas si. Le truc amusant dans le Mindstorm, c'est justement la programmation, c'est pas le montage.
le montage, c'est ça permet de donner un cadre et de donner Oui. on va dire une vie au robot, mais c'est pas. Et du coup, c'est pour ça que je sais pas si le Mindstorm, ça va m'amuser beaucoup. Je sais pas, je découvre, donc j'en sais rien. Enfin, on voit bien qu'il y a quand même une différence on va dire de difficulté de montage et tout ça comparé par exemple à la comparé par exemple à comparé par exemple à la Dodge où il n'y avait ouais, que du montage c'est-à-dire quoi passer vraiment on a vraiment passé 6 heures à monter un truc de A à Z. Là, on a passé 1 heure à monter un petit robot, on va dire assez simple, avec des gros moteurs, même pour le coup, hein, parce que pour les tailles de pièces, voilà, en termes de montage, on n'a rien de foufou, tu vois. Non, Rien de foufou, mais par contre, on a un truc auquel on pourra lui dire avance, jusque-là, jusqu'à ce que tu vois du rouge. Quand tu vois du rouge, tu tournes 2 fois, une fois que tu as tourné, tu vas en arrière, tu retournes 2 fois, et tu reviens à ta place, quoi. c'est pas les mêmes, pas les mêmes fonctions, pas les mêmes. C'est pas destiné aux mêmes personnes. Voilà, on est d'accord. C'est pas exactement destiné aux mêmes personnes. Bon, et bah la suite au prochain épisode. Du coup, t'avais quelque chose à rajouter? Ouais, pour moi, ça reste quand même l'évolution du truc. Quand t'as fait du technique pendant des années, ce que t'as envie de voir, c'est ton technique qui avance tout seul quoi. C'est-à-dire que dans le technique, ce qui est le plaisir, c'est le montage, que dans le Mindstorm, le montage n'est qu'un outil. Et ça va me permettre de réfléchir aux problématiques aux problématiques de la mécanique quoi, le cœur de mon travail, ça va être définir la programmation et lui offrir le corps qui lui permettra de faire ce qu'il a à faire, quoi. Oui. C'est pas les mêmes enjeux, c'est vrai. Pas les mêmes enjeux. C'est pas les mêmes enjeux et du coup c'est pas les mêmes plaisirs pour la fonction des personnes. Et donc oui, les billes, c'est pour et le trieur de couleurs qui va permettre de le trier petit à petit, Et le lanceur. et le lanceur qui va permettre de les lancer un peu partout dans la chambre, ce qui va être très pratique. Qui va être très bien. Il va falloir qu'on aménage un espace de jeu, Il du va coup. falloir qu'on se batte avec Johnny qui va vouloir les récupérer surtout. Il va falloir qu'on aménage un espace de jeu, du coup. On va devoir acheter un parc à bébé pour ça. Et non pas pour. Ou alors pour Johnny. On met Johnny dans le parc à bébé et nous on s'amuse Johnny dans avec le une robot. cage. Non. Très bien. C'est pas du tout des perles pour faire un bracelet. C'est une grosse perle, hein, pour un gros bracelet Un en gros plus. bracelet quoi. En plus, elles sont même pas. Ah si, elles sont trouées. Non, c'est pas trop. Si? Ah, Oui, mais pas mais de l'autre c'est côté. pas traversante. Bah, donc, j'ai pas dit traversant, j'ai dit trouée. Mais du coup, si elles sont pas traversantes pour un bracelet, c'est compliqué. Oui, pour un bracelet, c'est compliqué. Mais du coup, ça peut faire des boucles d'oreilles. Difficilement, mais. Très bien. Et ben merci de nous avoir suivis. Yes, et puis du coup, on se donne rendez-vous jeudi pour un. La suite. Jeudi 17 h pour voir ce qu'on peut faire un peu plus. De manière un peu plus avancée. Voilà. Bisous. Bisous.